Salut à tous, ici Azarat, vidéo très spéciale, hein, très spéciale. J'ai été invité par le 3e régiment de cuirassiers sur Mountain Blade Napoléonique pour faire une line battle avec eux contre une équipe d'hussards russes. Et voilà, je voulais vous proposer ça en vidéo, histoire de présenter un peu le système de régiment et tout ce qu'il y a autour du multijoueur de Napoléonique, parce que c'est quand même quelque chose de vachement complet. Donc, je les ai rejoints un peu avant la LAN battle. L'un d'entre eux m'a entraîné, Chichil m'a entraîné un peu. C'est galère. Il y a plein de mouvements, plein de techniques, des méthodes de déplacement. Je croyais pas que c'était aussi technique. Avant, il y a quand même un moment, je faisais partie d'un régiment d'infanterie de ligne, et là, ça n'avait rien à voir, quoi. Wow. J'étais sur le cul. Donc, j'ai participé à la line battle, donc je vous propose ça en vidéo. Et voilà. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre vos réactions dans les commentaires. Si ça vous plaît et si vous avez envie de rejoindre ce régiment, il y a les liens dans la description pour les contacter. Il y a un groupe Steam, un TeamSpeak. N'hésitez pas, ils sont super sympas. Voilà. Bonne vidéo à tous. Petit message à la fin de la vidéo. Colonne. Donc ça c'est une colonne simple, hein. Une rangée normalement. C'est vrai que les formations à pied sont beaucoup plus simples à effectuer que les formations à cheval. Enfin, en tout cas pour ma part. Attention aux armes. Ils sont là, ils sont là. Quart de tour à gauche chargé. Quart de tour à gauche chargé. Bon là y a personne. Bon, je viens de charger dans le vide. What? Attention, je joue en groupe. Allez, allez. Il est tout seul, il est tout seul. Mais non! Oh, le coup du mauvais côté, quoi. L'arbre. Et je suis vraiment une tanche. Je suis une tanche. Les Russes se défendent. Il y a un gars au sol. Non, c'est dangereux le gars au sol. Attention! Deux gars au sol. Je l'ai eu. J'en ai eu un. Je sais pas lequel. Attention, les mecs à terre derrière vous. Les gars, ne vous faites pas des mecs à terre. Faites que mettre un pomme. J'en ai eu un deuxième. Je suis chaud. Non, l'arbre. L'arbre. Non, c'est fatal. C'est fatal. C'est fatal. Putain. Fais gaffe, fais gaffe. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Troisième. Troisième mort. Je suis en état de grâce. Vas-y, on essaie de se faire le clip. Alors lui, il a eu la chance de sa vie. J'arrive le biffer. Bon, le petit bip bip, c'est normal, c'est parce que mon micro est mute sur TS. C'est Tundra. Je suis concentré, autant d'habitude je fais le foufou, mais là... je suis concentrated. Bien joué, Azarat. Oui, c'est Azarat, pardon. Merci. Yo, Brice. Ah putain, ouais, j'avoue que tu l'entends. Il arrive. Non, c'est bon, il va faire. Merci les gars. Ah là, à mon avis, c'était un gros coup de bol que d'avoir fait 3 kills comme ça. Donc là, il y a un gars qui est là-bas. Il est là, il est là. Ah, c'est bon. Voilà. On a tué. Ouh. GG. Faites attention au bloc, les gars. Non, non, simple, simple, simple. Colonne simple. Les gars, je suis dessous. Et colonne simple, c'est parti. Soyez pas trop hâtifs. Carte de tour à droite, chargez-les. Alors il a dit carte de tour à droite, je suis à la gauche. Pourquoi pas? Alors lui, je l'ai mis au sol.
je vais tenter. Non, non, non. Fais pas le fou, fais pas le fifou, fais pas le fifou. On se calme. Ah, il a. Oh, il a parié deux fois. Et mon cheval était bloqué. Là, il pas ah, moi, ça l'aggrave dans. Merci. Ah bah ça se passe même très bien. Midi, tu peux te mettre en spectre un peu de ping et il faut balancer s'il te plaît. Pardon. Tu peux te mettre en spectateur ou aller avec eux si tu veux. T'as un peu de ping donc c'est tu provoques les blocs. Ouais, il y a des petits lags. Hein. C'est vrai qu'il y a des tout petits lags, mais allez, ça peut être. Ça peut être vachement handicapant. Le moindre petit lac, quoi. Je me téléporte tout le temps, bye. Un invité de leur équipe vient de quitter. Donc, ils ont perdu une personne. Parce que... Carte de temps avant de charger. Lag. Ah, mon cheval. Mon royaume pour un cheval. À toi. Nom de Dieu. Viens là, toi. Viens là, toi. Je mets. Vas-y, vas-y, prends-le, prends-le, prends-le. Je t'aide. Derrière toi, derrière toi. Oh merde. On se cul. Hé hé hé. J'ai sauté, voilà. Alors, pourquoi ah, mais oui, mais non, mais j'ai trop l'habitude du native. Parce que dans le Mountain Blade native, tu peux sauter et foutre des coups en même temps. Et là, non. Donc, j'ai un score de 4 kills et 2 morts. Bon, ouais. En 5 colonnes. Pas logique. 5 colonnes toujours. Ça a l'air de fonctionner, donc pourquoi pas. Simple colonne. Je surveille un peu, voir où est-ce qu'ils sont. Il y a combien? Oups, sorry. 3-0. 4-0. 4-0. Juste, j'étais à combien? 10? 10. Le premier à 10 ou... De 10, juste 10 rounds. Ils sont là. Garde de toi à gauche, charge-les. Oh bah. Pourquoi il y en a un qui a pris cuirassier? Ah, c'était Mehdi. C'est pas grave, tu prendras Hussard après Mehdi. Oh, eh, je sais pas comment j'ai fait pour rester en vie. Là-dedans. I am fucking alone. Attends, quoi, et je suis mort. J'ai Wiz. Oh non. Mais là, j'ai fait le con, je me suis éloigné du groupe. J'aurais dû rester avec le avec les gens. Donc voyons voir un peu ce qui se passe. Ouais, bah ça se passe bien. Pas de perpendiculaire sur celui-là. Il s'est coincé sur la... Ouais. Il
y a le friendly fire. On peut TK, donc faut faire attention à nous. Attention, pas tous dessus, pas tous dessus. Voilà. Ouais, c'est bon. Attends, en fait, on lui dit. Regardez, si vous avez un camarade déjà dessus, vous allez pas dessus, vous attendez. Oh, ça me colonne. Pas, c'était une fin de la perpendiculaire, je faisais exprès, je sais que ça me colonne toujours. Pour le contrer. Ok. C'est vrai qu'on m'a montré pas mal de formations, il y a la simple colonne, il y a la flèche, il y a la double colonne, il y a la ligne, et il y a aussi des mouvements défensifs ou agressifs, etc. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment une cohésion dans le groupe, et faire des entraînements pour bien réussir à faire les formations. Garde de toi à gauche, chargez-les. Ça m'énerve. Oh, putain. Attention, parade. Je me suis bloqué. Ouah, le cheval m'a sauvé. Le cheval m'a sauvé. Ce fucking poney m'a sauvé la vie. Le cheval, c'est vraiment génial. Bah en fait, ils sont où là? Ils sont déjà tous morts? Ah non, il y en a un là. Il y en a un là. Deux. Non, mais qu'est-ce que... C'est Jisou. T'as cherché. Est-ce qu'il m'a touché ou je l'ai touché? Je ne sais pas. Attention, pas les mecs à terre. Ah oui, on n'est pas censé attaquer. Ah, il s'est pressé. Les mecs à terre. Parce que bon. Enfin. Si, normalement, line battle, si. Tu peux te permettre. Mais bon, eux ne se gênent pas, donc. Bon après voilà, ça dépend des gens. Attention mec à terre derrière. Mec. En line battle si tu peux attaquer un mec qui est au sol qui vient de tomber de son cheval. Mais quand t'es à cheval, il faut éviter d'attaquer des mecs à pied. Parce que justement, en un coup, il peut buter ton cheval, tu tombes au sol et il t'achève. Du coup voilà. C'est quelque chose à éviter. Ouais, là c'est serré, 3 contre 3. 2 contre 3 maintenant. Là pour le coup. Putain, je vois rien avec les armes. Aïe 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 aïe. 2 contre 2. 2 contre 2. Allez. Il reste Milo et de la forge. Allez, de la forge. Accumule toute la rage. Lâche-nous toute la rage que tu as emmagasinée tout à l'heure. Vas-y. Vas-y, t'es chaud patate. Au sol, il a pris une épée cavalier, cuirassier. Donc attention à la portée. Ah okay. Oui, d'accord. Donc le hussard apparemment a ramassé une épée. Alors est-ce que c'est celui-là? Oui, voilà, il a ramassé une épée de cuirassier. Tout simplement parce que elle est plus longue, et il a plus de portée avec. Et vu que c'est un hussard, il tape plus vite avec. Mmh. C'est pas en fonction de l'arme, c'est en fonction du, de la classe. Fais gaffe, il est là-bas, derrière. Ah, Oh. Il prend pas le bidet. Allez. Ouais, je pense pas qu'il va prendre. Bien joué. Ouais, puis il se barre le cheval. On va le tuer. Je peux pas le prendre, j'ai plus de vie là. Il change de cheval. Allez, vite bute le cheval. Qu'il prenne le bidet. Non. Ouais. Ça sera plus simple. Table de bord sur le cheval. Ah, il a plus de vie. Mais bon, c'est quand même dangereux. Il aurait peut-être mieux fallu le tuer. Bon, après, je ne fais pas partie de ce régiment. Donc je n'ai pas d'expérience, surtout dans la cavalerie. Si.
Même en cuirassier, il délaye. Et derrière l'arbre, l'autre chance. Ouais, on en a pas loin. Les hussards sont aussi beaucoup plus rapides à cheval. Et ça, c'est dangereux. Le moyen de les esquiver, c'est de faire des zigzags quand on est poursuivi. Histoire de les déboussoler un peu. Mais point de vue vitesse, ils dépassent largement les cuirassiers. C'est tendu. Tendu du string. Oh là 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 là. Ah. Merde. Ah, il s'est bloqué. Tape. Il s'est bloqué. Non, trop tard. Ouah. Derrière toi. Il nous a fait un mouvement. Ah, il y a même pas de duel. Donc ça fait un point quand même. Pour la Russie. Si je peux mettre toujours. Le résultat pendant ce temps-là, c'est 5-1. Ça, on retient. En fait, pour la colonne, c'est assez simple parce qu'il suffit de suivre la traînée de poussière. Quart de tour à gauche chargé. Ouais, j'ai failli faire le coup. Hein. Bien comme il faut. Ah merde! Non! J'ai perdu la moitié de ma vie. Oh là là là, je l'ai pas vu. Alors là, j'ai chaud. J'ai chaud la gueule. Ouais. Attention les gars, surtout vous. C'est fait défoncer. Enfin, je me suis fait défoncer personnellement. Alors. Attention. Pas trop agressif. Bien joué. Gare, regroupez-vous là un peu. Non, mais regroupez. Non. Vite. Bien joué. GG, attention. GG. Ou pas? Il est seul. Non. Je vais deux. Je vois le temps. Bido, essaye d'aller tout à droite. Tout à droite, c'est toute ligne le terrain. Ok. Pars direct à droite là. C'est un simple colonne. Colonne toujours. Et là, on part plutôt vers la droite. Hein. Ouh, je me TP. Je me TP violemment. Chichi, tu peux aller en spec s'il te plaît, comme ça de là tu peux jouer. Ou aller avec eux. User entered your channel. Merci. Chichi Lussard, t'es bon. Ouais. Concentrez-vous les gars. Ils sont là. Fais pas les fous. Attention, blocage, quart de tour à gauche chargé. Merde. Oh putain, merde. C'est pas grave. Je suis mort. Non, là, franchement, je fais de la merde. Autant au début, j'étais en état de transe. Mais là, je fais de la merde en barre. Complètement. Aïe. Oh, aïe. Oh, mais non. Ça va, les gars. Putain, c'est quoi? Purée. Comment il pense? Pelette va attendre là, trop tard.
6-2. Et first 6-2, oui, parce qu'il y a un point français non, qui n'est pas dans le entièrement. Dans le compteur. Dimanche en tout. Je ne sais plus pour quelle raison, j'ai c'est pas de raison. Ah non, il en faut encore 3. Non, il en reste 2. Il en reste 2. Donc encore 2 manches, parce qu'en tout, on joue dimanche. Mais même s'il gagne les 2 manches, techniquement, on a gagné. Donc, Et la concentration. Mais bon, pour le beau jeu, voilà. Quart de tour à gauche chargé, j'ai pas trop compris leur truc. Ouais, je sais bon, pas trop ce qu'ils ont. Ils ont fait quoi là? Ils ont chargé comme des porcs en fait là, non? Pas. Merde, on se bloque les uns des autres, c'est pas bon ça. Oh merde! Attention les blocages. Désolé, Cucuy. Ah. Technique du zigzag qui ne marche pas. Attention, ah, il me poursuit. Aïe. C'est pas la même chose qu'à l'entraînement. Je suis au sol, bordel. Je l'avais bloqué exprès. Pourquoi j'ai sauté? Pourquoi je saute comme un débilos? C'est pas possible. Pourquoi je saute? Dites-le moi. Mais ça c'est parce que voilà, j'ai 150 heures ou 170, je sais plus, de Mountain Blade. Voilà, j'ai quasiment 200 heures de jeu et très peu sur Napoléonic. Et pour moi, je peux taper en sautant, c'est un réflexe. Les cavaliers, moi, dans le native, je saute, je leur fous un gros coup de hache dans la gueule, directement. Alors du coup, je saute, voilà. Dès qu'il y a un cavalier en face de moi, je saute comme un demeuré. GG. Bien joué. Dernière du coup là. Dernière manche. Derrière moi. Avant dernière non. Pour le beau non, jeu. Non dernière. Dernière. Je mets le score. Ouais vas-y. Vas-y. 7-2 ouais. Ça fait 7-2. 7-2. Ah oui un point plus. Ils sont à notre droite. De tour à droite chargé. On se bloque. Je l'ai pas vu. Attention, Wolfram, t'es un peu agressif. Touché. Je suis tout seul. Je suis fucking tout seul. Je retourne avec les autres parce que là. Y'en a un dans la porte là, viens avec moi. Je tape trop tôt. Coucou. J'ai toujours l'impression. Y'en a un dans la pompe là, aussi. J'ai toujours l'impression que mon arme a. A plus de portée en fait. Je sais pas pourquoi. Alors qu'en fait pas du tout. Ah oh, putain c'est pas juste. Oh GG. Oh, viens avec moi. Ouais. Ah GG. Oh oui il est mort. Allez aide notre camarade à terre. La bifle, c'est comme ça qu'ils appellent. Merci. Ça. Bien joué. GG. Ah, mettez tous un GG dans le chat. Créer ce serveur, petite réunion, bien. C'est toujours bien. Chichi, en attendant, tu peux j'adore mettre la map. tu peux mettre la map. Ouais, t'inquiète. Donc voilà. Ouais, merci hein, les gars d'avoir joué dans l'équipe en face. Ouais. Bryce. Bon, c'est quand même du. La game est terminée donc.
Putain. Allez, j'ai fait on a gagné. Sauf que plus nombreux. On aura. On va garder le calme, c'est bien. C'est la bonne. Ah oui. Ça a changé. Est-ce que je peux venir avec mon ancienne classe? Non, non, tout le monde en cuirassier. Non. C'est bon. Voilà. Bon bah les gars, pour ce soir, bon bah GG, malgré que c'était un petit régiment. GG d'être venu avant, on est venu, il était 16h, il y avait déjà 10 membres actifs à 16h alors que la LB était à 20h30. Vous êtes tous entraînés, tous échauffés pour la plupart. Donc bah GG à vous. GG au nombre aussi, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'a pas été 15. On se rappelle que quand le 5ème corps a dissous, bah, on a eu une grosse perte d'effectifs, on est redescendu à 8 joueurs. Je remercie beaucoup Chichil d'avoir recruté avec moi, parce que c'est l'un des gars qui a le plus recruté avec moi. Je remercie aussi Azarat qui est venu filmer la LB de ce soir, pour faire un petit peu de pub pour le régiment et pour voir comment ça se passe. Mais de rien. C'est très sympa de sa part. Tout sur c'est pour lui, s'il vous plaît. Et donc, bah, pour ça, je vous avais dit que on mettra un nouveau clairon et un nouveau porte-aigle que si on dépasse, on retourne à 15 d'effectifs. Donc, ça a été le cas de ce soir. Donc, je vais demander à Tundra de venir. Dégel, t'inquiète pas, bonhomme. Regarde juste ce qu'il a de... Donc, Tundra, merci d'être là, de venir souvent. Donc, je te demande juste, comme d'habitude, moins de bruit avant les events. Moi, je garde pas une garderie, hein, c'est à vous-même de vous taire. Hein. Moi, j'ai pas envie de vous dire taisez-vous, ainsi de suite. C'est pas mon boulot, moi je suis là juste pour faire commander la LB et faire que tout se passe bien. Et que ça fait un moment que t'es là et que t'es présent. Donc tu passes clairon. GG à toi. Appuyez tous sur C. Maintenant j'appelle Wiz, je vais lui remettre une médaille. Donc Wiz, je vérifie quand même vite fait. Si tu l'as pas, Wiz, 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 non, tu l'as pas. Donc, Wiz, bon, très bon cuirassier. Tu me dis tout le temps si tu peux pas venir ou si tu peux venir. Tu t'entraînes avant, tu me dis je vais m'entraîner. Tu fais tout ce qu'il faut, tu fais ce que je te demande. Donc, tu vas recevoir la médaille de l'ordre du mérite. Donc, GG à toi. Ce sur c'est. J'appelle Belette vite fait parce que. Malgré que je t'ai dit que tu pouvais mettre ton tag, si t'es là, t'es... Voilà. Merci. Il est pas là, Belette? Non. Il était AFK. Merde, c'est pas grave. Je regarde vite fait ce qu'il y a. Tu la forge, con, Nexa, Brace. Brace, chichi. Non, mais c'est à peu près tout. À peu près tout. Prêt à vous toujours venir aux LB, être motivé, à recruter, à faire des dons. Car si je retrente le serveur... si vous êtes fumeur, pensez qu'au lieu de fumer un paquet, de faites des dons au serveur, quoi. Je suis pas d'accord. Impossible. Si vous êtes. Ah bah le chef, je suis pas d'accord. Ouais. Donc, Podcast et deux mois de serveur. Donc voilà, donc merci d'être venu. Toujours à vous entraîner, venir TS. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Recruter, ça sera toujours la même chose. Et voilà, donc tous GG à vous. Vous pouvez y aller. Et GG à vous. Allez. Oh le bâtard. Et voilà, la line battle est terminée avec la petite cérémonie à la fin. Donc comme vous avez pu le voir, c'est quand même quelque chose de... Quand on est dedans, on est dedans. Franchement, j'ai adoré, même si c'est de la cavalerie, que je suis une brêle monumentale au niveau de la cavalerie. C'était quand même vachement intense. J'ai été recruté dans ce régiment. Je suis recrue du régiment. Je vais faire d'autres line battles, d'autres events. Parce que là, c'était une line battle en petit comité. Il y a également des events avec... je pense que je le dis dans la vidéo, de toute façon.
avec beaucoup de joueurs. Il y a de l'artillerie, de l'infanterie et tout, tous en ligne avec des stratégies bien précises. Donc j'espère que les futures vidéos vous plairont, j'espère que ça vous tente de suivre un peu tout ça, de voir toutes ces line battles, tous ces events, et de filmer tous ces trucs. En plus c'est joué quand même de façon vachement RP, et ça c'est cool. Surtout dans les events, il y a des clairons, des drapeaux, des machins, c'est génial. Et samedi qui arrive là, donc samedi, voilà. Samedi combien, samedi je ne sais pas, mais samedi là, il y a un 4 versus 4, que cavalerie. Mais attention, là on a fait une line battle, une team contre une team, mais là c'est 4 teams contre 4 teams. Il va y avoir du people. Et je compte peut-être participer à cette bataille, mais comme ça tombe le samedi à 20h30, ça tombe sur mon horaire de live. Donc je vous ai laissé un lien Stropol dans la description, tout simplement pour vous demander si ça vous tente que je fasse ça en live. Même si la qualité sera un peu moindre, étant donné que je serai sur TeamSpeak et sur un serveur de jeu, il va falloir que j'attribue un peu plus de connexion pour le jeu et le TS. Mais normalement ça devrait passer. J'ai déjà fait des lives en multi, c'était voilà, ça passait crème. Donc, est-ce que ça vous intéresse? Dites-le moi dans le Stropol. Donc si c'est pas napoléonique, on retournera sur Viking. Et bon là c'est vrai que j'ai fait deux lives de suite sur Vikings. 11 heures de stream quasiment sur Vikings. Donc pourquoi pas? À vous de me le dire. Viking Conquest, la suite, que je pourrais faire un autre jour, hein, ça peut attendre. Ou la line, enfin l'event team 4 versus 4 avec le 3e régiment de cuirassiers et d'autres régiments, bien sûr. N'hésitez pas à voter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait. Plein de nouvelles vidéos à venir. J'ai aussi une autre annonce à faire sur un nouveau membre dans la GFF, mais plus actif côté Twitch. Donc voilà, c'est plus du stream que de la vidéo pour l'instant. J'en parlerai plus tard, je ferai une vidéo dessus. Vous serez au courant de tout. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. C'était Hazard pour Gaming for Fun, et ciao tout le monde.